accorder ses philosophies. L'amour est le plus gros cadeau que la nature nous donne. C'est pour ça que chez nous, on fête la mort. Il s'agit du passage de Emon Milan à Bekon. Mon petit frère m'a fait comprendre que quand il était souvent fatigué, il entrait dans le cercueil, il se reposait. Quelqu'un qui se forme dans ce métier est en contact avec le corps d'un cadavre. Les morts sont morts. Le jour que j'arrive en route, ma voiture tombe en panne, on met un peu le cercueil à terre, ma voiture démarre, je la laisse là-bas, je rentre. Il y a les partenaires sociaux des morts, c'est-à-dire ça peut être des enfants, ça peut être des veufs ou des veuves. Quand le roi meurt, on ne laisse pas le corps de roi pourri. C'est comme ça que la royauté dit souvent que bon non y a bien. Tada ça c'est le bébé mojéo. Les actrices des rites du vivail, ce sont les femmes. Dans certaines collectivités, savez-vous que le jour où votre épouse meurt, pour que son âme ne revienne pas vous perturber, vous en tant que mari, on vous impose de dormir avec une autre femme. Jésus n'a connu ni Élie ni Moïse. Mais pourtant, il s'entretenait avec lui. Alors je crois qu'il y a une vie après la mort.